بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on avait terminé la dernière fois d'expliquer التحريف, qu'est-ce que ça signifiait. Et donc en réalité c'était pour expliquer les règles qu'on doit suivre si on veut comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani selon la méthode, selon la voie des salaf salih. Donc on avait dit que yani il faut décrire Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est décrit lui-même dans son livre et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunnah, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takyif et sans faire de tamthil. Et à tahrif, on l'a expliqué, on a dit que c'était de changer le sens des mots ou de changer le mot lui-même. Hein, ça c'était les deux formes de tahrif qu'on avait mentionnées. Maintenant, on rentre dans le deuxième terme, c'est à ta'til. Et le cheikh dit, wa ta'til lughatan al-ikhla. يقال التعطيل. Oui, c'est ta, ayn, ta, ya, lam. At-ta'til. At-ta'til. Lughatan al-ikhla. Yuqalu attalahu ay akhlahu. Wal muradu bihi huna nafi sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, at-ta'til, c'est al-ikhla. Et al-ikhla, qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, ça veut dire de vider quelque chose. Hein, de vider quelque chose. Et lorsqu'on dit par exemple que tu as fait le ta'til, alors ça veut dire que tu as vidé quelque chose, et la signification dans le sens dont on parle ici maintenant, c'est dans le sens que par exemple, on essaie de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les vider de leur sens, les vider de leur sens. Et également, on peut dire comme on dit souvent en arabe, bi'run mu'attal. Un puits qui est non utilisé, il est abandonné, c'est-à-dire il ne sert plus à rien, d'accord, donc c'est un peu ça cette signification aussi de ne plus avoir aucune utilité, et c'est ça en réalité que les gens de Bid'a font, ils font at-ta'til, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en évitant de leur sens, et quand on dit par exemple que ils rendent inutile dans le sens que ils rendent en fait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala inutile dans le sens qu'ils vident Allah subhanahu wa ta'ala de toutes ses attributs, de toutes ses caractéristiques et de ses qualités. C'est donc qu'ils croient en un Dieu après qu'il n'a plus aucun attribut, hein, il n'a pas de volonté, ou bien ça c'est pour les extrémistes parmi eux, comme Al-Jahmiyyah, qui nie tous les attributs en entier. Donc, Allah, il nie le savoir, il nie la vue, il nie lui, il nie tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il disait qu'en réalité, il y a juste un être suprême qui existe, et puis il est là, puis en réalité, il fait rien d'autre que d'exister. Donc ça, c'est une insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a les Mu'tazila, comme on a expliqué la dernière fois. Eux, ils affirment les noms, mais ils nient les attributs. Et ils nient les attributs, c'est-à-dire le sens des noms. Ils nient la signification de ces noms-là.
Oui, des choses comme ça. Donc, c'est comme si ils affirment les noms comme si c'est des noms, comme on dit, asma'un jamida, hein, des noms qui n'ont pas aucune signification, c'est juste des noms propres qui désignent une personne. Et il y a également ceux qui sont venus par la suite qui sont al-Jahmi, al-Walikum Salam Allah. Il y a ceux qui sont venus par la suite qui sont à la Sha'ira, et à la Sha'ira, eux, ils ont dit, on va uniquement affirmer des attributs qui sont prouvables par la logique, par la raison. Et donc, ils affirment uniquement sept attributs. Ils affirment uniquement sept attributs. Et yani, ils se disent, bon, on peut prouver que Allah existe, puis on peut prouver que s'il existe, ben, il faut qu'il ait du savoir, parce que sinon il ne pourrait pas créer ce qui existe. Et s'il a du savoir, yani, il faut qu'il voit, il faut qu'il ait la vue et l'ouïe, tout ça. Donc il se base sur, pour les affirmer, il se base uniquement sur la raison. Et les autres attributs qui sont affirmés par le Coran, eh ben, si ils s'affirment, si selon eux c'est pas prouvable par la raison, ils le nient. Donc, en ce qui concerne Ahl Sunnah wal Jama'a, nous on affirme toutes les attributs en entier, toutes les attributs, qu'elles soient aqliya, c'est-à-dire qu'elles soient rationnelles, ou naqliya, c'est-à-dire qu'elles soient rapportées par la révélation. Ok? Donc, comme un des chouïrs expliquait, il disait صفات عقلية ونقلية أو نقلية فقط ولا تفريق بينهما. Les attributs sont soit rationnels et révélés, ou révélés seulement. C'est-à-dire, elles sont, on les connaît uniquement parce qu'elles sont révélées. Si elles n'étaient pas révélées dans le Coran, on ne pouvait pas le savoir parce que ce n'est pas prouvable par la raison. Okay, comme par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône. Si Allah ne nous l'avait pas dit, on n'aurait pas pu le savoir et on n'aurait pas pu l'affirmer. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvables uniquement par la révélation. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire on doit affirmer les deux de façon égale. On ne doit pas distinguer ces deux formes d'attributs-là, peu importe. Donc le chef il dit que at-ta'til, comme on a dit, c'était de vider quelque chose ou de nier quelque chose, et en ce qui concerne les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nier ces noms, en ce qui concerne les attributs d'Allah, c'est de nier ces attributs-là. Et le chef il dit والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة. D'accord. Donc le cheikh il dit que la différence entre le tahrif et le ta'til, c'est que le tahrif, c'est de nier la signification correcte d'un mot qui est rapporté dans les textes, soit dans le Coran ou dans la Sunna, et de le changer pour un autre, pour une autre signification qui est incorrecte. Donc tu prends une signification et tu la remplaces par une autre qui est fausse. Ça c'est le tahrif. Mais le ta'til c'est un peu différent. Parce que en fait, le ta'til c'est de nier l'attribut sans le changer pour une autre signification. Et là tu le nies sans le changer, et c'est un peu comme l'action des gens qui font le tafwir. C'est-à-dire, le tafwir, ceux qui disent yani, Allah il dit qu'il a une main, mais personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire sa main. Donc il nie l'attribut de la main sans le remplacer par une autre signification. Tandis que les gens qui font le tahrif, eux ils vont dire, bon, on dit qu'Allah a une main, mais sa main c'est, ça ne veut pas dire une main, ça veut dire sa puissance, ou sa ni'ma, sa grâce. Donc il change le sens de la main. Donc là, il y a le mot ta'til qu'on a compris, c'est-à-dire de nier le terme ou l'attribut sans le remplacer par une autre signification. Puis il y a l'autre mot qu'on vient d'apprendre, c'est at-tafwid. Ok. Bon, at-tafwid, c'est quoi? C'est quand tu remets quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le remets, tu dis bon, moi je connais pas ou je sais pas, donc je remets ça
à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, wa ufawwidu amri ila Allah, hein, à propos de, du prophète. C'est-à-dire, je remets mon affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tafwid, c'est ça. En ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis du tafwid, eh ben, il y a deux formes de tafwid. Il y a le tafwid de la signification, et il y a le tafwid du kayf, hein, tafwid al-ma'na, le tafwid al-kayfiyya. Le tafwid de la signification, c'est haram de le faire. On n'a pas le droit de faire le tafwid de la signification parce que les termes sont connus dans la langue arabe. C'est comme l'imam Malik a dit, hein, al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, hein, wal-imam bihi wajib, wal-su'al anhu bid'a. C'est-à-dire, al-istiwa, le mot istiwa dans la langue arabe, il est connu. C'est un mot qui est connu. Et le comment, c'est-à-dire comment Allah s'est élevé au-delà de son trône, on ne le sait pas. Wal-imam bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Et de demander cette question du comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une bid'a. Les sahaba n'ont jamais posé ce genre de questions-là, hein, donc c'est une bid'a. Alors, ça c'est l'exemple qu'on doit faire, le tafwid du comment, c'est-à-dire on remet la connaissance du comment à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne peut pas la connaître, mais le tafwid du ma'na, c'est-à-dire de la signification, ça, on n'a pas le droit de le faire, parce que c'est la langue arabe, ok, c'est connu dans la langue arabe. Et l'imam Ibn Taymiyyah, il a expliqué qu'en réalité, le madhhab des mufawwidah, c'est un des madhhabs le plus dangereux, en réalité, parce que il déclare comme si les prophètes étaient des ignorants, ne connaissaient pas la signification des mots. C'est comme si tu dis que le Coran en arabe, c'était comme des mots dans une langue étrangère qu'on ne peut pas comprendre. Comme si les prophètes récitaient des choses sans rien comprendre de qu'est-ce que Allah avait révélé. Et ça, c'est incorrect de croire une chose pareille. Les mots sont connus, leurs significations sont connues, hein, et donc on doit croire à ces attributs-là, mais on doit nier uniquement le comment, puis pas essayer de faire de ressemblance entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création. Donc les gens de Béda, ils ont deux attitudes vis-à-vis des textes. Ils ont l'attitude qu'on a expliquée la dernière fois qui était tahrif, qu'ils appellent ta'wil, et ils ont l'attitude du tafwid. Tafwid, comme on vient de l'expliquer, c'est de nier la connaissance de la signification. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme le poème qu'on avait appris dans l'Irshad. Wa kullu qawlin awhama at-tashbiha fa-fawwidhu, fa-awwilhu aw fawwid warum tanziha. C'est pas ça? Oui, toute parole qui donne l'impression qu'il y a une ressemblance, fa'awwilhu, yani donne-lui une autre interprétation, change sa signification pour une autre, ou fa'awwid, ou bien dit qu'on ne connaît pas sa signification, warum tanziha, et dit que tu fais ça dans le but de purifier Allah subhanahu wa ta'ala et de nier par rapport à lui ce qui est d'imperfection, yani pour nier toute imperfection vis-à-vis Allah. Donc, pour vous donner un exemple d'un peu plus concret du tafwid, c'est l'attitude des ahbash, par exemple, lorsqu'ils vont parler de al-istiwa, ok. J'ai eu l'occasion de parler à certains d'entre eux, puis, quand je leur mentionne, par exemple, ar-Rahman ou al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône, eux, ils disent quoi? Ils disent, le mot istiwa, il a plus de 15 significations. Et donc, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Ils disent, subhanallah. Donc, c'est comme une façon indirecte pour nier qu'on peut pas, pour essayer de dire qu'on ne peut pas connaître la signification du mot istiwa dans la langue arabe. Et ils savent très bien que, dans la langue arabe, le mot istawa, ou n'importe quel autre mot,
il a une signification, même s'il a plusieurs significations, selon le contexte dans lequel le mot est placé, il ne peut pas avoir plus qu'une signification, d'accord? Sinon, aucune parole ne pouvait être comprise. Hein, même dans la langue française, il y a certains mots qui peuvent avoir différentes significations, plus qu'une signification, mais lorsque tu mets ce mot-là dans une phrase, hein, il prend une signification particulière. Hein, comme souvent tu vas regarder, tu cherches un mot dans le Larousse, ou dans le petit Robert, tu vas trouver des définitions 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là tu regardes le contexte, puis tu vas comprendre qu'est-ce que ça peut signifier. Eh bien, pour ce mot-là, c'est la même chose également. Pour le mot istiwa, ça veut dire la même chose, et les salafs ils l'ont expliqué. Donc, pour essayer de dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et parce qu'il y a 15 significations, ça c'est une shubha yani de leur part. Donc le cheikh il dit, فَكُلُّ مُحَرِّفْ مُعَطِّلْ وَلَيْسَ كُلُّ مُعَطِّلْ مُحَرِّفْ. Donc ça veut dire, toute personne qui fait le tahrif, hein, tout muharrif, il est en réalité un mu'attil également. Toute personne qui fait le tahrif, il fait le ta'atil en même temps. Mais toute personne qui, mais c'est pas toute personne qui fait le ta'atil fait automatiquement le tahrif. Donc, un n'implique pas toujours l'autre, ça dépend de quel sens. Parce que si tu fais le tahrif, tu fais automatiquement une forme de ta'atil. Mais par contre, si tu fais le ta'atil, ça ne veut pas nécessairement dire que tu fais un tahrif. Ok. Et les mu'attila, hein, les gens qui font le ta'atil, on les appelle mu'attila. Ok. Ça fait beaucoup de terminologie à apprendre, mais une fois que vous êtes mélangés, peut-être mélangés, ok. Ok. Mais inchallah, ça va se clarifier au fur et à mesure. Donc on a appris à date tahrif, ta'atil. Ok. On a aussi parlé de tafwid. Ok. Parmi les gens qui ont fait le tafwid, parmi les contemporains actuellement qui sont très connus, on compte par exemple Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan Muslimin. Quand il parle d'aqidah dans son livre, il a parlé un peu d'aqidah, il fait le tafwid des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prétend que la voie des salafs, c'est de faire le tafwid. Et il y a beaucoup de gens de bid'a qui attribuent ça aux salafs. Alors que c'est un mensonge au sujet des salafs. Les salafs, c'était pas ça leur tafwid, c'était pas ça leur madhab ou leur méthode. Les salafs, leur voie, c'est comme on dit maintenant, d'attribuer les attributs et de les laisser tels quels. Amirruha kama ja'at bila kayf. Hein? Acceptez-les et prenez les hadiths tels quels, sans demander comment sont ces attributs-là. Ça, c'est la voie des salafs. Et de ne pas faire le tahrif, et de ne pas faire le ta'atil, hein, et le tashbih, ou, yani de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de sa création. Donc, si vous regardez dans les livres des la plupart du temps des gens qui sont sur la voie des Ikhwan, vous allez voir que leur madhab et leur aqidah, c'est le tafwid. Donc ils font partie des mufawwidah, ils sont pas sur la voie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le troisième terme qui est at-takyif, ok, ça vient de, quand on dit kayf, en arabe c'est du kayf, comme quand tu vois quelqu'un tu dis kayf ahaluk. Hein, comment tu vas, comment tu te sens, eh bien c'est de là que ça vient le mot kayf, et on dit takyif, c'est-à-dire pour poser la question comment. Hein? Donc le cheikh il dit, what takyif, huwa ta'yin kayfiyat as-sifa, c'est-à-dire quand tu dis takyif par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'essayer d'attribuer ou d'expliquer le comment d'une attribut en particulier. Comme par exemple, tu essaies de donner la description, hein, de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la description de ses yeux, ou la description de son élèvement au-delà du tronc. Tout ça c'est haram. On n'a pas le droit de demander le comment au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqal kayyaf al-shay idha ja'ala lahu kayfiyatan ma'luma.
Hein, quand tu dis par exemple que tu as donné à quelque chose une description connue, c'est ça avoir fait le takyif. Le takyif ou sifat Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ta'yinu kayfiyatiha wal hayya allati takunu 'alayha. وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه لأن الصفة تابعة للذات. Okay. De la même façon que tu ne peux pas savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala en son être, hein, comment est son être, de la même façon tu ne peux pas savoir comment sont ses attributs. Hein, parce que les ulama ils disent القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوة. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux dire au sujet de l'être d'Allah, tu peux le dire également au sujet des attributs. Et qu'est-ce que tu peux dire au sujet des attributs, tu peux le dire également au sujet de son être. C'est-à-dire, si tu ne peux pas savoir comment est son être, tu ne peux pas non plus savoir comment sont ses attributs. D'accord. Et le cheikh il dit, c'est d'essayer de décrire ou de définir le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien des choses de ce genre. Et donc ça c'est impossible pour l'être humain, parce que ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cachées. Il a gardé cette connaissance là et il nous l'a pas donné. Donc on peut pas savoir comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on doit retenir notre langue, d'essayer de retenir également notre imagination aussi pour essayer, pour pas essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala et pas poser des questions au sujet du comment par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, فَكَمَا أَنَّ ذَاتُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُمْكِنُ لِلْبَشَرِ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَتِهَا فَكَذَلِكَ صِفَتُهُ سُبْحَانَهُ لَا تَعْلَمُ أَوْ لَا تُعْلَمُ كَيْفِيَتُهَا. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais expliqué ça déjà. وَلِهَذَا لَمَّا سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقِيلَ لَهُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَيْفَ اسْتَوَى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا يقال في سائر الصفات. Donc c'est exactement la citation de l'imam Malik qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a demandé à l'imam Malik, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà de son trône, hein, istawa, le verbe istawa, la personne est venue et s'est assise dans le cercle parce que l'imam Malik était en train de donner un dars. Et la personne s'est assise et il a posé la question à l'imam Malik, Ar-Rahman, le tout miséricordieux s'est élevé. Comment il s'est élevé? Et là, l'imam Malik s'est mis en colère. Il est devenu rouge. Et il a dit, hein, comme ça, en tenant sa tête comme ça, et là, il a dit, sa parole célèbre, Al-Istiwa, c'est connu. On le connaît dans la langue arabe. C'est pas un nouveau mot que personne n'a jamais entendu, qui a jamais été utilisé. C'est très connu, tout le monde le connaît. Wal-kayf, le comment, il est majhoul, on ne connaît pas comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Wal-imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Wal-su'alu anhu bid'ah. Et ça, on peut le dire à propos de toutes les autres attributs. Et à la fin, l'imam Malik a ordonné de le faire sortir et il a dit que c'est une personne qui suit les bid'ah, c'est un mubtadi'. En arabe, al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-imanu bihi wajib, wal-su'alu anhu bid'ah. Wal-su'alu anhu bid'ah. De demander à son sujet, c'est une bid'ah. Ouais. Et ça, on peut le dire au sujet de toutes les autres attributs, pas seulement au sujet de l'istiwa, au sujet de la main, au sujet du regard, hein, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il voit, au sujet aussi également du fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, aussi au sujet de, par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres attributs que Allah nous a parlé, dont il nous a parlé, comme l'amour, le fait qu'il aime les mu'minines,
ou le fait qu'il se met en colère, ou le fait qu'il rit, hein, comme le prophète Sam a décrit, que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il rit, hein, yadhak, et il y a des attributs de ce genre. Tout ce que le prophète Sam a décrit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'accepter et l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il se l'est décrit lui-même, wa alaykum salam wa rahmatullah, et yani, pas essayer de faire ce qui s'appelle at-tamthil, et ça c'est la troisième chose qui va, c'est la quatrième chose qui va venir. Avant de passer à la quatrième, au quatrième point par contre, j'aimerais juste faire un petit point pour mentionner une chose au sujet du takyif. C'est que les gens de Bid'a, la façon qu'ils, quand eux ils parlent du takyif, ils l'utilisent pas de la même façon que Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire que eux ils disent que, yani, eux quand ils disent par exemple que il faut nier le commun, ou il faut pas chercher le commun, eux ils veulent dire en réalité qu'il y en a pas de commun, il y en a pas du tout. Il y a pas de commun. Hein. Et donc, quand ils parlent, ils disent Allah n'a pas de commun, ou Allah subhanahu wa ta'ala, laisse lahu kayf. Et ça, ça se dit pas en réalité. Et si tu vois la façon dont les salafs ont utilisé la négation de, ou le fait d'être l'interdiction de demander le comment des attributs, ils ont dit que c'est interdit de demander, hein, comment sont ces attributs-là, ou de chercher à le connaître ou à le comprendre. Mais pas qu'il n'y a pas de comment du tout. C'est-à-dire que quelque chose qui n'a pas de comment, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'attributs. Hein? Et la façon dont eux ils l'utilisent justement, c'est une façon de nier que Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs. Ok? Donc, il a un commun, mais on le connaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une façon dont ses attributs sont, mais il ne nous l'a pas dit. Et on le sait pas. Donc, on doit l'affirmer, hein? Mais on n'a pas le droit d'essayer de poser la question du comment, parce qu'on ne le sait pas. Et il ne nous l'a pas dit dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est un petit point, c'est très subtil, mais c'est très important. Ça peut amener à beaucoup de confusion si on ne comprend pas qu'est-ce que ça implique. Ensuite le quatrième point, le chef dit « وَالتَّمْثِيل هُوَ التَّشْبِيه » بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا تعالى الله عن ذلك. Donc التمثيل c'est quoi? C'est comme dans le verset dans lequel Allah سبحانه وتعالى dit ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui soit comme lui, ou comparable à lui, ou comme lui, d'accord? Donc التمثيل c'est ça, c'est de dire que quelque chose ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire également tashbih. Hein? Et ça c'est le quatrième. Donc c'est comme si tu disais que les attributs d'Allah sont comme les attributs de la créature. Ou que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme nos mains. Ou que l'oui d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme notre oui. Et ça, comme le cheikh dit, ta'ala Allahu an dhalik. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de d'une telle chose, yani d'un tel mensonge, parce que yani Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc les personnes qui font le tashbih ou at-tamthil, c'est-à-dire qui font ressembler Allah à sa créature, yani ce sont des kuffars, ce sont des mushrikines, d'accord. Et le cheikh il dit قال تعالى في الآية 11 من سورة البقرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا كما لا يقال إن ذات الله سبحانه وتعالى شبه بذواتنا. C'est-à-dire que Allah سبحانه وتعالى dit dans sourate Shura le verset 11, il n'y a rien qui soit comme lui. Et c'est lui qui a l'ouïe et la vue. Donc, on n'a pas le droit de dire que ses attributs, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont comme nos attributs,
ou ressemble à nos attributs. Et on n'a pas le droit de dire que l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme notre être à nous. Ok? Ça c'est très important à comprendre. Puis, il y a deux formes de tashbih ou de tamthil. C'est soit que tu fais ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, ou soit que tu fais ressembler sa créature à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est deux formes de tashbih. Soit que tu fais ressembler Allah à sa créature, ça veut dire que tu donnes à Allah des attributs de la créature, ou soit que tu fais ressembler la créature à Allah, c'est-à-dire que tu donnes à la créature des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la différence. Et c'est quelqu'un qui fait ça, il est mushrik, kafir. C'est-à-dire comme par exemple les chrétiens ont donné à Jésus des attributs de Dieu. Hein? Ils lui ont donné par exemple, soi-disant, la connaissance infinie, la capacité de créer, ou l'idée qu'il va être assis sur le trône avec Dieu, puis qu'il va juger l'humanité, des choses de ce genre. Ça c'est, ou la capacité de pardonner les péchés. Ça c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont donnés à une créature. Hein? Certains, par exemple, parmi les gens donnent à certains êtres humains des connaissances du raid. Ça aussi c'est une forme de tashbih. D'autres, c'est le contraire. Ils donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. Ok? Et ça également c'est des attributs de la créature. Et ça également c'est une forme de shirk. Comme par exemple, qui vont décrire Allah subhanahu wa ta'ala en disant, il s'est reposé le septième jour. Ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala une attribut humaine d'avoir la fatigue. Ok? Ou des choses de ce genre. Donc, ça rentre dans le tashbih. Ok? Et ça c'est haram et ça rentre dans, c'est kufr. Quelqu'un qui fait ça, il a quitté la foi, il n'est plus musulman. Donc le cheikh il dit, fal mu'min al muwahhid يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. Donc le cheikh il dit, donc le muwahhid, le croyant, celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui convient à sa grandeur et à sa majesté. Tandis que al-mu'attil, la personne qui a fait le ta'til, eh bien lui il les nie, ou il nie certains d'entre ces attributs-là. Tandis que le mushabbih, lui qu'est-ce qu'il fait? Il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une façon qui n'est pas convenable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il affirme des attributs en lui donnant une ressemblance à sa création, et sa création possède la création a des attributs de faiblesse. Hein. Donc s'il fait ça, il n'a pas attribué les attributs d'Allah de la façon qui lui convient, qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça les trois catégories. Et tous ces gens-là qui font le ta'til, que ce soit les Jahmiyyah ou les Mu'tazila ou les Asha'ira, on les appelle tous des Mu'attila, parce qu'ils font tous le ta'til, soit directement ou indirectement, et soit complètement ou partiellement. Donc ce sont tous des Mu'attila, d'accord? Et on peut les appeler tous Jahmiyyah, comme on a dit la dernière fois, parce qu'ils font tous, ils ont tous extrait cette bid'a des Jahmiyyah à l'origine, donc c'est pour ça. Sinon il y a des degrés, les Jahmiyyah c'est les plus extrêmes, puis ça descend jusqu'au Asha'ira, puis ils sont tous contraires à la voie des Salaf en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Hassan, si tu avais une question, oui. Parce que, non, le hadith qui dit de pas frapper le visage parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. À la sourate.
Oui, il est authentique. Il est dans Sahih Muslim. Mais par contre, comment je pourrais dire, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, certains ont expliqué en disant que Allah, il a la vue, l'être humain, il a la vue. Allah, il a la sagesse, il y a des êtres humains qui ont également la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la vie, l'être humain, il a la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une force et l'être humain, il a une force. Mais il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de comparaison, c'est pas des, c'est, on les affirme, mais on ne fait pas de ressemblance. Comme les salafs ont dit, min ghayri tahrifin, wala tamthilin, wala ta'til, donc on les affirme tels quels. Et c'est ça, comme, c'est une des façons comment les ulama l'ont expliqué, et je pense que c'est ça que le Cheikh Ibn Baz avait expliqué lorsqu'il a fait l'explication de Kitab al-Tawhid. C'est comme ça qu'il l'a expliqué en disant que, yani, de cette façon-là. Mais comme l'imam Ahmed avait expliqué quand on a pris le cours de Usul al-Sunnah, les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les affirmer tels qu'ils sont. Hein. Comme les salafs ont dit, Amirruha kama ja'at bila kayf. Donc ces hadiths-là, hein, la même, tels qu'ils ont été rapportés par les salafs, on les affirme et on y croit. Et on ne demande pas le comment. On n'essaie pas de les comprendre le comment de ce hadith, comment Allah ta'ala, a créé Adam à son image, des choses de ce genre. On le garde tel quel et on l'accepte et on y croit, comme les salafs l'ont ramené. Hein? Et eux, ils n'ont pas posé de questions à ce sujet-là. Et c'est ça la voie des salafiens. S'il y a quelque chose dans les hadiths qu'on n'est pas capable de comprendre, eh bien, on les accepte et on l'affirme et on rejette rien de ces hadiths-là et on n'essaie pas de les comprendre avec notre raison pour essayer de faire des analogies entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, d'accord? Donc ça, c'est ça pour ce hadith-là. Donc les attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs et certaines de ces attributs-là, ok, il a utilisé les mêmes mots pour décrire les créatures comme les êtres humains, mais c'est, dans la réalité, ces attributs-là ne sont pas du tout ressemblants, parce que les attributs d'Allah sont parfaits, tandis que les attributs des créatures sont limités, hein, et imparfaites. Il y a des, comme j'avais dit la dernière fois, une patte d'un éléphant, puis une patte d'un oiseau, les deux c'est une patte, mais ça ne veut pas dire que c'est du tout la même chose. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a une main et que l'être humain a une main, yani, ça ne veut pas du tout dire que les deux mains sont pareilles. Yani, les deux mains sont tout à fait différentes. Et donc là, c'est qui mettent les richesses. On affirme les attributs d'Allah comme ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme une main d'un singe, elle a quatre doigts. Hein, puis elle est complètement différente de la main d'un être humain. Hein. Et, ouais. En français, on dit une patte, puis un être humain, on dit, pour un être humain, on dit pas patte, on dit la main. Tandis qu'en arabe, la main, c'est le même mot pour les animaux comme pour les êtres humains. Yad, hein, yad al-insan, yad al-hayawan. Donc c'est encore plus clair dans l'exemple en arabe, parce que c'est le même mot pour tous les êtres vivants qui marchent, hein, parmi les êtres qui ont des mains ou des pattes. Hein. Donc c'est un exemple pour montrer que hein, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de comparaison, puis les yeux, puis tous les autres attributs, c'est de la même chose. Il ne faut pas penser que le fait d'attribuer quoi que ce soit de ces attributs-là implique une imperfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il faut enlever ça de notre tête et pas avoir cette idée. Après le cheikh, on va continuer maintenant la parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. C'est-à-dire qu'ils croient, c'est-à-dire les salafs, ceux qui suivent la voie des salafs, qui font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble, et qu'il est l'audient et le voyant, c'est-à-dire celui qui voit tout et qui entend tout.
et il ne nie rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour se décrire lui-même, et il ne déforme pas les paroles de leur contexte, d'accord. Et l'explication des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah ici par le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Lama ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بين موقف أهل السنة والجماعة من ذلك. » Le chef dit, lorsque l'auteur, Imam Ibn Taymiyyah, a expliqué que l'obligation, c'est de croire aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels qu'elles sont affirmées par le Coran et la Sunna, sans déformer le sens, sans faire de négation, sans faire de demander le comment, et sans faire de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature, eh ben, l'imam Ibn Taymiyyah a expliqué la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah à ce sujet-là. وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل. Donc le cheikh dit qu'il croit en ces attributs-là selon le manhaj, le droit, la voie droite, yani le droit chemin. C'est-à-dire qu'ils affirment tous ces attributs-là dans leur réalité. Et ils nient la ressemblance. فَلَا يُعَطِّلُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ سُورَةِ الشُّورَى لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. فَقَوْلُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ رَدٌ عَلَى الْمُمَثِّلَةِ وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة لأن فيه إثبات السمع والبصر. Donc le cheikh il explique, il dit que أهل السنة والجماعة, on ne fait pas de négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne fait pas de ressemblance, on ne fait pas de comparaison entre les attributs d'Allah et les attributs de la création. Et ça c'est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 11, ou le verset 11 dans le verset de la sourate Shura. C'est le verset 11 qui dit, il n'y a rien qui soit pareil à lui ou qui soit comparable à lui, et c'est lui al-Samir et al-Basir. C'est lui qui est le voyant et l'audient, Le cheikh il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, laysa kamithlihi shay, lorsqu'il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble, ça c'est une réfutation pour ceux qui font des ressemblances avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Dans la première partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute les mumathila, ceux qui font des ressemblances entre la créature et le créateur. Et la deuxième partie du verset, c'est une réfutation des mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » Donc il affirme deux de ses attributs, l'attribut de voir, et l'attribut de l'ouïe et l'attribut de la vue. Hein? Donc c'est comme si ça nous montre qu'on doit réunir deux choses, on doit affirmer les attributs, mais on ne doit pas faire de comparaison et de faire des ressemblances entre ces attributs-là et les attributs de la créature. Et c'est une réfutation justement, comme il dit le cheikh, de mu'attila, parce que yani, la vue et l'ouïe, on l'a nous aussi, et les animaux aussi, ils ont ces deux attributs-là. Donc si c'était de ça que Allah subhanahu wa ta'ala parle, si Allah il voulait affirmer ces attributs-là et faire une comparaison yani, entre les attributs d'Allah, entre ces attributs à lui et les attributs de sa création, il n'aurait pas dit « laysa kamithlihi shay ». Mais le fait qu'il ait dit « laysa kamithlihi shay », ça prouve qu'il n'y a pas de comparaison à faire. On affirme ces attributs-là comme Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés, mais ça implique pas du tout qu'il y ait une égalité ou une comparaison entre celles d'Allah, les attributs d'Allah et les attributs de la créature. « Fal-ayatul karima dusturun wadish » في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها،
وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. Donc il dit que ce verset-là, c'est en réalité, on peut dire que c'est une, disons que c'est une règle qu'on doit suivre pour dire comment on doit comprendre la question des noms et des attributs d'Allah. Ok? Parce que dans ce verset-là, il y a les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, on affirme les attributs d'Allah et on nie la ressemblance. C'est comme ça qu'on doit faire avec tous les noms et les attributs d'Allah. Et le cheikh dit que bientôt il va l'expliquer plus en détail. Ouais, il y a plus que 99, il n'y a pas juste 99 noms. Ouais, il y a un hadith, il y a un dua dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « أَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ » C'est-à-dire s'il y a des noms parmi les noms que tu as gardés dans ta connaissance de l'inconnu auprès de toi. Donc ça veut dire qu'il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala possède qui ne nous a pas révélés. D'accord? Donc ça c'est, il y en a plus que 99. Oui. Ouais, c'est ça. Le hadith n'a pas dit que Allah a seulement 99 noms. Mais il a dit, il y a 99 noms que si vous les apprenez, que vous les récitez, puis que vous les appliquez, ces noms-là, alors vous allez aller au paradis ou quelque chose de ce genre-là. Non, il ne dit pas. Le hadith qui mentionne 99 noms, il n'est pas authentique. Je crois qu'il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, mais il a été déclaré daïf par les ulama, si je ne me trompe pas. Ouais, mais c'est pas une chose qui est comme j'écoutais l'explication de Al-Qawa'id al-Musla du Cheikh Ibn Uthaymeen, qui a été expliqué par le Cheikh Ibrahim al-Ruhaymi. Il disait que il y en a parmi ces noms-là, souvent ils ont été ajoutés par des ulama. C'est des ijtihads qu'ils ont fait. C'est pas nécessairement tous tel quel. Ouais, non, c'est ça, mais on va y revenir à ça, inshallah. On va y revenir dans un autre cours, puis on va expliquer ça plus en détail, inshallah. Dans la liste, c'est pas tous les noms que tu trouves dans cette liste-là qui se retrouvent dans le Coran. Non. Donc on va y revenir, inshallah. Le chef il dit par la suite, فَلَا يُنْفُونَ عَنْهُ ما وصف به نفسه أي لا يحمل أهل السنة لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين. Donc ça c'est intéressant. Le cheikh il dit que أهل السنة والجماعة كم الدين ما رحمة الإمام ابن تيمية أهل السنة والجماعة il ne nie pas les attributs qu'Allah سبحانه وتعالى t'a donné à lui-même. Ok? Et il ne faut pas que, il dit le chef, que أهل السنة والجماعة dans leur foi en Allah سبحانه وتعالى et que rien ne lui ressemble, ils n'ont pas laissé cette foi-là les pousser à, ou les amener à nier les attributs que Allah s'est donné à lui-même par prétexte d'avoir peur ou de vouloir s'enfuir, de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah et de sa création, comme ceux qui ont dit par exemple, nous on nie les attributs qu'Allah s'est donné parce qu'on a peur de faire des ressemblances entre Allah et sa création, donc on veut purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection. Donc, on préfère nier l'attribut en entier. Donc, Ahl Sunnati wal Jama'a, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont affirmé l'attribut tel quel, et ils ont nié la ressemblance. Et le cheikh dit par la suite, فأهل السنة والجماعة يقولون لله سبحانه وتعالى صفات تخصه وتليق به وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. Donc le chef il dit que أهل السنة والجماعة ils disent que Allah سبحانه وتعالى il a des attributs qui lui sont particuliers et spécifiques à lui
Et les créatures ont des attributs qui leur sont à eux aussi particulières et spécifiques à eux. Et donc, il n'y a pas, on n'a pas besoin de croire qu'il y a une ressemblance entre les attributs d'Allah et celles de sa créature, et ça n'implique pas du tout ce que vous craignez, hein, ou vous les mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah. Il n'y a pas cette, vous n'allez pas même avoir cette peur au sujet de qu'est-ce que vous prétendez. Le chef, il dit donc, comme il a dit, que Allah, il a des attributs, et ces attributs-là sont ses attributs à lui, et la créature, elle a ses attributs, et ce sont des attributs qui conviennent à la créature. وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تقدم بيان معنى التحريف أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استواء استولى وفي جاء ربك جاء أمر ربك ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك. Donc le chef il dit, et il ne défend pas les mots de leur contexte, comme on a déjà expliqué lorsqu'on a parlé du tahrif, de déformer le sens des mots, ou de déformer les mots directement. Et donc c'est ça, le chef il dit, il ne change pas la parole d'Allah, il ne change pas les mots, et il ne change pas la signification. Hein? Et il ne leur donne pas une autre interprétation qui est contraire à son interprétation réelle. Hein, et à son explication réelle, comme on l'a expliqué la dernière fois, comme les mu'attila qui disent, par exemple, au lieu de dire istawa, ils disent istawla. Hein, ils disent, au lieu de dire qu'Allah s'est élevé au-delà du trône, ils disent, il a dominé le trône, ou il a pris le pouvoir sur le trône. Ça, c'est des fausses interprétations. Ou bien, au lieu de dire, waja'a rabbuka, c'est-à-dire, et ton Seigneur viendra, ou bien il va venir, hein, ils disent « wa ja'a amru rabbika », c'est-à-dire « et le commandement de ton Seigneur viendra ». Donc ils rajoutent un mot. Ou bien ils disent, au lieu de dire que Allah il a une rahma, ils disent qu'il a la volonté de faire du bien ou de faire une grâce. Et donc ils déforment cet attribut de miséricorde et ils l'interprètent comme étant sa volonté. Hein. Ça c'est toutes les mu'attila en entier, c'est-à-dire que ce soit les jahmiya, que ce soit les mu'tazila, que ce soit les asha'ira. Hein. La différence entre eux c'est juste que certains d'entre eux ils nient tout, comme les jahmiya, d'autres ils nient juste les attributs, comme les jahmiya ils nient les noms et les attributs, les mu'tazila ils nient les noms, ils nient les attributs, ils nient pas les noms. Puis les Asha'ira, ils affirment les noms, mais ils nient les attributs excepté 7. Ils affirment seulement 7 et les autres attributs, ils les rejettent, ils les nient. Donc, mais ils sont tous ta'til, soit totalement, soit partiellement, soit directement, soit indirectement. La signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala implique une attribut. Comme par exemple que tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-basir, et la signification c'est-à-dire qu'il a al-basar, qu'il voit. Et donc tu affirmes ta foi en cet attribut-là. Ouais, c'est ça. Il y a des... Exactement. On peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est al-radib. On ne peut pas dire ça, parce qu'on doit juste affirmer les noms que Allah s'est affirmé à lui-même. On ne peut pas lui inventer des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même. Donc ça c'est une des règles à propos des noms et des attributs. Mais on va y revenir. Al-Radib, c'est celui qui se fâche. Al-Radab, la colère. Ou la... Ouais, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand tu dis « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ » Non. Hein, quand on dit غير المغضوب عليهم, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est que Allah est en colère contre eux. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, وغضب الله عليهم,
ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Ça explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la colère. Hein? Donc ça c'est des exemples. Hein? Et non, il n'y a pas de nom de ça. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il aime les mu'minin. Yuhibbul, wallahu yuhibbul mu'minin. Inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui retournent constamment en repentance et il aime ceux qui se purifient tout le temps. Hein? Donc, yani, eux, ils disent, mais on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime. Parce que aimer, c'est une sensation qui est dans le cœur de l'être humain, ça implique que des choses. Et eux, ils pensent que si tu affirmes cet attribut-là à Allah, tu l'affirmes de la même façon que pour la créature. Donc, à cause de ça, ils disent ça, c'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs d'imperfection et de faiblesse, donc ils le nient. Hein? Et ils font, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça veut dire la volonté de faire du bien, d'aimer. Quand Allah dit qu'il aime, ce genre-là, ça veut dire qu'il a la volonté de leur faire une grâce ou de leur faire du bien. Donc c'est une forme de tahrif, ok? Alors que nous, Ahl Sunnah wal Jama'ah, on affirme la colère, on affirme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et des choses de ce genre, sauf qu'on dit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même chose que l'amour des créatures. Et l'amour, et la colère des créatures et la colère d'Allah, c'est pas du tout comparable. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Hein? Même entre les créatures, même entre les êtres humains, il y a différentes sortes d'amour. Hein? Ton amour que tu as pour ta voiture, ton amour que tu as pour tes parents, ton amour que tu as pour ta femme, tout ça c'est des amours différents. Hein? Alors, imaginez si c'est différent en ce qui concerne les créatures, imaginez par rapport à la, on ne peut pas comparer la créature du l'amour du créateur et l'amour du créateur, c'est deux amours différents. Donc il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de déformer la signification de l'attribut, on a juste à l'affirmer tel quel et de nier qu'il y ait une ressemblance entre les deux. D'accord? Donc après le chef il dit ويلشدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Okay? Donc là on est encore dans l'introduction de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il est en train de nous donner les bases, les principes fondamentaux pour comprendre toute la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que là maintenant on revient toujours sur les mêmes points parce que c'est la base avant de rentrer dans l'explication détaillée de chaque attribut séparément. D'accord? Donc, il nous donne des principes et des règles à suivre et à comprendre pour être capable de savoir qu'est-ce qui va venir par la suite. D'accord? Donc, il dit, wala yurshiduna fi asma'illah. Ok? Et là, l'explication de ça, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses versets. Wala yukayyifun. Ils ne disent pas, ils ne demandent pas le comment des attributs. Wala yumathiluna. Et ils ne font pas de ressemblance entre les attributs, ses attributs à lui et les attributs de sa création. Et maintenant, l'explication, le cheikh dit, wala yurshiduna fi asma'ihi wa ayatihi, wal ilhad lughatan al mail, wal udul an shay, wa minhu al lahd fi al qabr. Donc le cheikh il dit que le mot qui est utilisé par l'imam Ibn Taymiyyah, c'est yurshidun, ça vient de, comme on dit, al ilhad. Hein? C'est-à-dire, souvent quand on parle des athées, on dit qu'ils sont des mulshidun ou malahida. Hein? C'est-à-dire, des athées, on dit souvent des athées, mais en réalité, le mot ilhad, ça implique beaucoup plus que simplement l'athéisme. Ça implique beaucoup plus que ça. Le chef dit que dans la langue arabe, le mot ilhad, ça veut dire al-mail, c'est-à-dire de pencher vers quelque chose. Ok? Et dans ce contexte-là, l'ilhad c'est de pencher, c'est-à-dire de dévier de la vérité, c'est-à-dire de se pencher vers l'égarement. Et le cheikh il dit, c'est comme l'origine de ce mot-là, c'est comparable à quand on dit al-lahd dans la tombe, hein, quand on creuse une tombe, on fait un petit trou par en bas, au fond,
puis on met le corps dans cette petite partie qu'on creuse dans le fond de la tombe, on fait une petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite ouverture dans le côté au fond pour rentrer le corps, puis on bouche cette entrée-là, puis on remplit de terre le trou par la suite. Cette petite ouverture tranchée qu'on fait dans le fond de la tombe pour mettre le corps, on appelle ça al-lahd. Et c'est de la même origine que al-ilhad. Et donc ça nous donne une petite idée que, pourquoi on appelle ça al-ilhad, parce que c'est de pencher vers quelque chose ou de faire, un exemple de, comme il a dit, de faire un lahd ou des choses comme ça. C'est-à-dire on n'est pas sur la droite chemin, on se détourne. Ouais, peut-être, on peut dire de se détourner, de passer à côté. Et le chef dit, وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَيْلِهِ وَانْشِرَافِهِ وَانْشِرَافِهِ عَنْ سِمَةِ الْحَفْرِ مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ. On l'appelle l'ahd comme ça parce que justement, on fait une déviation ou on fait une petite entrée, une petite affaire de côté là, dans la direction de la Qibla. وللحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. Donc, en ce qui concerne les noms et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on utilise le terme ilhad à ce sujet-là, ça veut dire qu'on penche, on s'éloigne de la vérité au sujet de la réalité de ces noms et de ces versets-là et de leur signification correcte, et on leur donne une signification qui est fausse. C'est ça qu'on appelle al-ilhad. Et al-ilhad, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs, elle a 4 ou 5 différentes catégories. Il y a 5 différentes catégories d'ilhad, de formes, 5 différentes formes d'ilhad. Le cheikh dit النوع الأول أن تسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان. Donc le cheikh dit que la première forme d'ilhad, c'est lorsque tu donnes aux idoles des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu leur donnes des noms qui sont extraits des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les Arabes qui avaient différentes divinités, comme Al-Lat, c'était extrait du nom Al-Ilah, ok. Al-Uzza, c'était extrait du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, ou Manat, c'était extrait du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mannan. Donc ils prenaient des noms d'Allah et ils les déformaient puis ils les offraient à leurs idoles. Donc ça c'est une des premières formes d'ilhad. Deuxièmement, النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له بموجبا أو علة فاعلة. Donc le cheikh il dit par exemple, deuxièmement, c'est de lui donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne lui convient pas, qui ne convient pas à sa majesté, à sa grandeur. Comme le fait que les chrétiens par exemple lui donnent un nom comme le Père, ils appellent Dieu Père. Et ça implique toutes sortes de faussetés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également par exemple les philosophes, ils l'appellent la cause active ou toutes sortes de noms, ils donnent toutes sortes de noms à Allah subhanahu wa ta'ala comme la cause active ou celui qui est obligatoire par lui-même, ou bien ils vont l'appeler Al-Qadim, l'ancien. Donc ils donnent toutes sortes de noms que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas donné à lui-même. La troisième catégorie, وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه أو ينزه عنه من النقائص كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة وأنه استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون. Donc il dit comme troisième exemple de ilhad, c'est l'exemple d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il sait qu'il a nié à son sujet, qu'il a renié à son sujet, parce que ça implique une forme d'imperfection, d'accord. Comme par exemple les juifs qui ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est pauvre et qu'eux sont riches,
إن الله فقير ونحن أغنياء. L'autre exemple, quand ils ont dit يد الله مغلولة, c'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى il le caractérisait comme étant avare, yani ils disent que sa main est fermée. Et Allah سبحانه وتعالى il leur a répondu en disant غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. C'est leurs mains à eux qui ont été fermées, c'est-à-dire ils ont été frappés par l'avarice aussi, c'est eux en réalité qui sont parmi les peuples les plus avares. Et لعنوا بما قالوا, ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit. D'accord. Et le cheikh dit وأنه استراح يوم السبت, les juifs ont dit que Dieu s'est reposé le septième jour après avoir créé les cieux et la terre. Et ça c'est une insulte, yani c'est comme s'ils disent que Dieu s'était fatigué. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Et aucune fatigue ne nous a touché. On a créé les cieux et la terre en 6 jours et aucune fatigue ne nous a touché, ne nous a atteint. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié de ces genres de mensonges-là. Et ça, ça fait partie des formes d'ilhad. Quatrièmement, le cheikh dit « النوع الرابع جحد معانيها وحقائقها كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن الصفات ولا معاني فالسمع لا يدل على السمع والبصير لا يدل على بصر والحي لا يدل على حياء على الحياة ونحو ذلك. » Donc le cheikh dit comme quatrième exemple, le fait de nier leur réalité, c'est-à-dire de nier la réalité de ces noms-là. Comme par exemple l'exemple des Jahmiyyah qui affirment des noms, comme ils disent que les noms qui sont dans le Coran au sujet d'Allah, c'est seulement des noms qui n'ont aucune signification et elles n'impliquent pas non plus d'attributs. Le chef il dit qu'ils affirment par exemple, ils disent qu'il entend sans oui, il n'a pas un oui, il voit sans vue. Il est vivant mais il n'a pas de vie. Donc ils affirment des noms sans signification. Et la dernière catégorie de ilhad, c'est la cinquième, c'est comme le cheikh dit, تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله عن ذلك. Donc le cheikh dit la cinquième forme d'ilhad, c'est de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création, comme par exemple la personne qui dit la main d'Allah est comme ma main ou d'autres choses de ce genre. Et donc ça c'est des formes de tashbih, et ça c'est une forme de, on appelle ça également ilhad, ça rentre dans les catégories d'ilhad. Donc on va s'arrêter ici et puis le frère va faire l'adhan, puis on continuera inshallah la semaine prochaine bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.